Bonjour à tous, ça va, ça marche, le micro marche. Merci d'être là avec nous pour présenter, vous présenter quatre solutions innovantes, quatre solutions qui font changer notre manière de produire et de consommer. Bon, j'avoue que je suis entourée d'hommes essentiellement. Il manque un peu de femmes, mais je ne désespère pas que les choses changent dans ce domaine. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Mathieu Coustet. Bonjour. Donc vous êtes le cofondateur d'Arize. Avec vous, on va parler d'hydrogène vert. Nous sommes à vos côtés, à côté de Olivier Guigonis, cofondateur de Nolt. Bonjour. L'abréviation de Nothing is Lost. Et vous, vous officiez dans le domaine du sport. Oui. Voilà, tout se recycle. À ma droite, Slavomir Kloukowski, président de Wave Energy. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une journée pour vous et pour vos solutions, parce que vu le vent, oui, et les vagues qu'il y a ici à Nice. Justement, on se manque cette énergie. Voilà, exactement. On va en parler juste après avec vous. Et enfin, je suis avec Jean Guénolé. Bonjour. Bonjour. Jean Guénolé Cornet. Vous êtes le président de Neo Sylvia. Avec vous, on va aller dans la forêt. Et on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec nos forêts? Très volontiers. Neo Sylvia est une société que j'ai créée il y a 4 ans et qui vise à répondre à des enjeux importants de la forêt, en France en particulier. Et pour bien comprendre l'action de la société, il faut comprendre quelques éléments de contexte de la forêt. La forêt en France, c'est 30% du territoire, ce qui est important. Et la forêt fait face à deux grands défis. Un premier défi qui est un défi d'adaptation au changement climatique. La très longue durée de vie des arbres les rend particulièrement fragiles face aux changements rapides du climat. Et on le voit par les dépérissements de forêts que l'on connaît. Et l'ONF a sorti récemment un document qui estime que d'ici 10 ans, 5 millions d'hectares, c'est-à-dire un tiers de la forêt française quasiment, sera en sursis climatique. Donc on a un besoin d'accompagnement de ces forêts pour maintenir leurs fonctions qui sont multiples, qu'on connaît, le bois, l'énergie, on en demande de plus en plus, du bois et de l'énergie renouvelable, des matériaux de construction renouvelables, également pour accompagner nos paysages et toutes les fonctions de services environnementaux que fournit la forêt et services sociaux. Et de l'autre côté, on a, ce que je disais, une demande en matériaux durables et en services durables générés par les forêts qui va croissant. Ce que fait Neo Sylvia, c'est qu'elle vient adresser une part du segment des forêts en France qui est la moins facile à gérer, qui est de fait la moins gérée et la plus impactée par le changement climatique. Il s'agit de la petite propriété forestière privée qui fait quelques hectares à quelques dizaines d'hectares, mais qui représente en cumulé des millions d'hectares, qui appartient à près de 3 millions de propriétaires. Donc, c'est-à-dire que dans cette salle, statistiquement, on doit avoir au moins une bonne dizaine de propriétaires forestiers qui parfois s'ignorent, qui possèdent des petites parcelles et qui font face à une difficulté. Ils ne souhaitent pas vendre parce qu'elle fait l'objet d'un vrai lien affectif, mais ils n'ont pas les moyens, la capacité, le temps, l'énergie, l'économie d'échelle pour gérer leur forêt. Neo Sylvia fait avec eux un partenariat sur une durée qui est corrélée au cycle de vie des arbres, donc qui va durer de 40 à plus de 100 ans, pendant lesquels la société va réaliser tous les actes de gestion, de diagnostic, de définition, d'opération, de plantation, d'entretien des forêts, et va créer de la valeur avec ce patrimoine forestier, une valeur de bois, une valeur de services environnementaux, et se rémunérera avec le propriétaire sur une part de la valeur créée à terme. Donc dans un processus, on parlait de temps long ce matin dans les discussions, on est vraiment sur le temps long, puisque c'est un modèle économique à 50 ans, pendant lesquels les investisseurs qui sont derrière Neo Sylvia attendront ce temps long, mais ont en face d'eux une propriété, une copropriété sur un capital qui est le capital biologique généré par ces forêts, dont le foncier continue d'appartenir aux propriétaires, mais tout le capital biologique appartient en copropriété aux propriétaires et à Neo Sylvia qui se s'allie en intérêt avec le propriétaire pour remettre en valeur ces pans du territoire qui sont délaissés, qui sont en sursis climatique. Et comment vous touchez ces propriétaires ? On les touche beaucoup par des réseaux de propriétaires. Ce n'est pas des gens qui sont sur Facebook. La moyenne d'âge est plutôt de 65 ans en général. Et donc, on les touche par bouche à oreille. On est beaucoup porté par le bouche à oreille. Et en touchant tous ceux qui peuvent être les intermédiaires, les experts forestiers, les gestionnaires forestiers, les coopératives, les notaires, les maires de communes, etc. Donc, vous avez beaucoup de réseaux et que petit à petit, on associe et qui sont associés à ces démarches parce qu'on répond à un vrai service. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les propriétaires viennent vers nous. Ce n'est pas nous qui allons les chercher, c'est eux qui nous appellent, qui nous sollicitent pour dire « Mais écoutez, j'ai un patrimoine, je le veux mettre en valeur, je ne sais pas le faire, accompagnez-moi. » Et la solution qu'on leur propose, c'est une solution dans laquelle on se rémunérera à 30 ans, 40 ans, 100 ans, si on a bien travaillé. Eux n'ont pas à débourser au démarrage, donc ils sont en général assez partants. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci. Des forêts à la mer, Slavomir, il n'y a finalement qu'un pas. Oui. Et vous transformez l'énergie des vagues. Oui,
Et bonjour, Wave Energy, avec sa petite équipe d'actionnaires, d'associés, développe un nouveau système houlomoteur et une version d'une hydrolienne flottante. Notre start-up est créée en 2019 suite à 10 ans de recherche et développement par l'inventeur de cette technologie, actuel président de la société. En 2019 également, Wave Energy a obtenu une subvention de la part d'Union européenne dans le cadre du programme Marine 2. Nous avons pu vérifier et valider notre dernière version du dispositif. Et ensuite, c'est le dispositif qu'on voit à l'écran. Oui, c'est ça, celui-là, justement. Et ensuite, la technologie était reconnue par Blue Invest et présente au Maritime Forum sur le site de l'Union européenne. Et justement, la simplicité du dispositif, de la conception du dispositif, permet d'obtenir des coûts de production d'électricité comparables aux coûts de production d'électricité des éoliennes offshore. Notre système peut également adapter à la production d'hydrogène par électrolyse, ce qui est surtout intéressant pour la version de le moteur. C'est sur le marché actuellement ? Non, nous sommes au niveau TRL4, ça veut dire que nous voulons réaliser un démonstrateur en mer. Mais étant donné que notre love money n'est pas suffisante pour mener si grand projet, nous avons besoin de financement et de partenaires. Et ces financements, justement, permettront également à participer aux différents appels à projets, car il faut souligner qu'une start-up doit disposer autant des capitaux propres que les montants de subventions sollicités dans ce projet, dans cet appel à projet. S'il y a des gens qui nous regardent en direct sur le site de la tribune ou qui sont dans la salle et qui sont intéressés, ils peuvent venir vous voir ou vous contacter. Je voulais peut-être, pour terminer, dire que l'énergie des vagues, c'est une énergie renouvelable prédictible qui peut fournir chaque jour et nuit d'électricité à notre pays. Et la France possède des 3,5 gigawatts de puissance potentielle à utiliser qui dorment encore. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Mathieu Coustet, on parlait d'hydrogène vert. C'est ce que vous développez avec Arize. C'est ça. Donc on est un développeur et producteur d'hydrogène renouvelable. Donc on vient du monde de l'éolien. Donc on essaye de répliquer en partie le modèle du renouvelable en fait dans le secteur, dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc pour ça, on travaille avec des collectivités, des entreprises, des donneurs d'ordre dans le transport qui peuvent décarboner leur flotte. Donc on travaille surtout aussi sur, on est dans une démarche de concertation locale, d'acceptabilité de nos projets. On sait que, par exemple, l'éolien, le solaire, il peut y avoir des tensions en ce moment. Donc on pense que c'est important d'arriver avec des projets qui sont acceptés localement pour pouvoir faire des écosystèmes qui pourront grossir dans le temps. Donc pour ça, on offre en fait une possibilité de production et de distribution d'hydrogène clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, des autorisations, et de façon modulaire, c'est-à-dire qu'au début, on va avoir un certain nombre d'usages, donc on va avoir des unités de petite taille, puis on va grossir au fur et à mesure que les usages vont arriver dans l'hydrogène. Et comment vous vous démarquez de vos concurrents ? Alors justement, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur le site. On est effectivement de plus en plus nombreux. Il y a des gros acteurs, des plus petits. Il y a des gens qui viennent du renouvelable qui aussi s'y mettent, donc un peu comme nous. On se démarque de deux façons. Donc c'est par la modularité, notre approche clé en main, de trois façons, je vais dire. La deuxième, c'est qu'on a un modèle sur l'approvisionnement en électricité qui est un peu différent des autres. C'est qu'on on s'alimente qu'en énergie renouvelable. Et pour ça, on va aller chercher de l'éolien, du solaire, donc un mix énergétique sur le réseau. Et on va aller signer ce qu'on appelle des corporate PPA, donc c'est des contrats de gré à gré avec des producteurs ou des acteurs de marché pour obtenir de l'énergie renouvelable. On peut également mettre des petites unités de production d'électricité à côté. Et enfin, là où on se démarque vraiment, c'est qu'on veut
Voilà, c'est bien de décarboner les usages mobilité, les usages industriels. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a un réseau électrique et que si tous les électrolyseurs en France prennent de l'électricité renouvelable, se connectent en direct à des éoliennes, à la fin, le réseau électrique il va devoir faire appel à du charbon, à du fuel, à du gaz. Donc c'est là où on travaille aussi sur la flexibilité de nos installations pour pouvoir s'effacer quand le réseau est sous tension ou doit faire appel à des sources carbonées. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Le dernier point, là où on se démarque un petit peu, juste pour finir, c'est sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir toute la chaîne de valeur de la production d'électricité, donc on veut faire nos propres installations de production d'électricité, jusqu'à les dérivés en fait, de l'hydrogène. Par exemple, on travaille sur des modèles autour de l'ammoniac vert pour produire de l'ammoniac en local, pour des industriels, pour l'agriculture, ou alors pour ce qu'on appelle la méthanation, donc c'est du méthane de synthèse qu'on pourrait injecter sur un réseau de gaz en captant du CO2 d'industriel ou de méthaniseur. Merci beaucoup. On parle de production d'énergie, mais ensuite, cette énergie, on la dépense en faisant du sport. J'essaye de trouver la bonne transition. Et avec vous, Olivier, on fait du sport, mais de manière 100% verte. C'est ça. Donc, je suis le cofondateur de la marque de sport Nolt, marque de sport éco-responsable et circulaire. Éco-responsable parce que tous les produits qu'on va fabriquer sont faits à partir de polyester recyclé. Ce polyester recyclé provient soit des déchets ménagers, donc la poubelle jaune qui est à la maison, soit et surtout de bouteilles de plastique qu'on récupère en Méditerranée. Donc tout ce plastique est compilé, il est nettoyé, on va le chauffer pour le fondre. En fondant, il va devenir filandreux, filandreux du fil du tissu. Ce tissu est notre polyester recyclé vierge sur lequel on fait tous nos maillots, shorts, survêtements de sport pour tous les sports collectifs, foot, basket, rugby. On fait du running, on va faire du cyclisme d'ici quelques semaines. Donc on a notre collection de vêtements qu'on va vendre à des clubs de sport principalement et des particuliers, mais principalement des clubs de sport qui vont les utiliser 2, 3, 4 saisons et qui à un moment donné ont besoin de changer ces équipements parce qu'ils changent de logo, de sponsor, parce qu'ils sont trop usés. À ce moment-là, on va les récupérer. On va les trier par degré d'usure, par couleur, et de ces collections de textiles, on va en refaire du matériau plastique, puisque c'était déjà du plastique, et de ce nouveau matériau plastique, on va faire des coupelles de sport, donc les coupelles qu'on trouve sur tous les terrains de foot, de rugby, dans les gymnases, dans toutes les écoles. Donc c'est pour ça qu'on est circulaire, parce que schématiquement, on avait finalement une bouteille de plastique qui va devenir un maillot de foot ou de basket, et qui deviendra ensuite une coupelle. Et cette coupelle, on travaille aujourd'hui à savoir quel est son degré de recyclabilité. On pense pouvoir la recycler une dizaine de fois, c'est en cours d'étude. Mais voilà comment on imagine notre marque et ce qu'on fait en ce moment. Et c'est comme ça que vous vous démarquez des autres marques de sport, parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qu'on voit arriver sur le marché et qui revendiquent le fait d'être fait en matière recyclée, mais en général ne s'attaquent pas à l'équipement en proprement parler. Là, vous parliez de coupelles, mais est-ce que demain, ça peut être, on peut imaginer des cages de foot ou d'autres C'est particulièrement ce sur quoi on travaille en ce moment même, justement les bus, j'en parle encore ce matin. Effectivement, on se démarque en étant probablement la seule marque réellement circulaire dans le sport, puisqu'on, quand on crée un produit, on se pose la question de son devenir lorsque ce sera un déchet, en fait. Et on ne met rien en marché qui ne soit pas recyclable d'ici 2, 3, 4 ans, et sur lequel on ne peut pas créer nous-mêmes une chaîne qui nous permet de récupérer le produit. Donc on réfléchit le produit sur sa seconde, troisième ou quatrième vie, on réfléchit le produit dans sa logistique pour le récupérer le moment venu. Et effectivement, on regarde aujourd'hui quelles vont être les prochaines voies de sortie de nos produits actuels, futurs déchets et futurs nouveaux produits. Et aujourd'hui, vous êtes essentiellement une marque B2B ? On est B2B, mais on se développe beaucoup sur le B2C là maintenant. On a sorti des produits de running en ce moment sur Ulule. On est en train de terminer la campagne qui se passe très bien. Donc là, on va s'adresser aux particuliers avec la même idée justement que le particulier puisse nous renvoyer le produit une fois qu'il ne l'utilise plus ou qu'il n'en veut plus ou qu'il a trop grossi, trop minci, que ça ne lui va plus. Et donc voilà, on a commencé avec le running. Là, on lance le cyclisme pour Noël et puis... on va encore continuer. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Et demain, lors des journaux qu'on fait sur la plage, on saura quel est celui d'entre vous qui va remporter le prix coup de cœur BPI La Tribune. Donc, bonne chance à tous les quatre. En tout cas, le choix va être cornélien. Merci. Et je laisse la parole à Monsieur Mabi, qui est loin de moi et qui a comme grand témoin Brice Lalonde.